Bonsoir à tous, congratulations, you did it. Alors, je m'appelle Lisette Clément et je vais vous parler pendant 10 minutes de mon initiation à la programmation. Tout d'abord, je suis docteur en pharmacie. Ça signifie que mon truc, c'est vraiment le médicament et tout ce qui s'en rapproche. Parce que, en fait, quand j'étais au lycée, je voulais comprendre comment fonctionnaient les médicaments dans l'organisme humain. 6 ans d'études m'ont permis d'y répondre. Simplement, il n'y a pas que les médicaments dans la vie, il n'y a pas que le médical, il y a aussi d'autres choses et d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Pour vous, c'est sûrement évident. Pour moi, c'est du chinois. Du blabla, blanc sur fond noir, super, très bien, pourquoi pas. Simplement, ce blabla, finalement, ça code tout dans mon ordinateur. Ça donne par exemple, Mathieu, ta petite pub, des talks pour tous les développeurs. Ça donne mes photos, votre page que vous ouvrez quand vous allumez votre PC, absolument tout. Donc la question est la suivante. Comment est-ce qu'on passe d'un charabia blanc sur fond noir à une page accessible qui nous concerne tous aujourd'hui en 2014? C'est un long chemin qui a débuté en décembre 2012. J'avais un petit peu de temps, donc du coup, c'était l'occasion. Ça a commencé par The Hour of Code. The Hour of Code est un programme qui est développé par les Américains, accrochez-vous, pour les adolescents. Et oui, il faut régresser dans la vie si on veut avancer. Donc les adolescents de 13 ans, le but c'est de les initier au concept de code. Par exemple, Angry Birds, c'est l'exercice numéro 1. Notre petit Angry Bird, il faut le faire arriver au cochon. Pour vous c'est basique, hein, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Moi je me dis, bon, comment ça se passe? Je prends le bloc avancé. Je le mets dans la partie du milieu. La partie du milieu, c'est la zone de programmation simplifiée, c'est-à-dire le charabia blanc sur fond noir, mais avec des blocs de couleurs ludiques, sympas et clairs que tout le monde peut comprendre, y compris les non-développeurs, s'il y en a d'autres dans la salle. Donc je mets avancé, Angry Birds avance, sauf qu'il avance qu'une fois. Donc on recommence et on se rend compte qu'il faut mettre 2 fois l'action avancée pour qu'Angry Birds arrive au cochon. Et là, je suis contente, je me dis « Yes, j'ai compris !» Hyper basique, on est d'accord. Mais on arrive à la fin de l'heure et je vais vous parler du dernier exercice brièvement. Le dernier exercice, je l'aime beaucoup, c'est le petit zombie, Plants vs Zombies pour ceux qui connaissent. Le but, c'est qu'il aille manger le tournesol. Le truc, c'est qu'on commence à intégrer la notion de fonction, notamment, comme vous le voyez, avec le if et le else. Et ce qui était compliqué dans mon cas, au départ, c'est que le zombie, j'oubliais systématiquement de le faire pivoter, par exemple, sur la droite. Du coup, il continuait à avancer dans le mur. Parce que finalement, quand on veut coder quelque chose, il faut s'entraîner à redécortiquer les actions. Ça doit être hyper évident pour vous. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. J'avais quelque chose en tête et c'était évident qu'il allait le faire, même si j'avais oublié le bloc. C'est pas le cas. La première heure de code, déjà finie. On est toujours en décembre 2013, pardon. Et du coup, congratulations, you did it. Merci, gamification, serious game, clin d'œil au Human Talks du mois dernier. Finalement, j'ai appris des notions de base sans même m'en rendre compte. Ça, c'était vraiment génial. Et comme vous l'avez vu, c'était hyper coloré, hyper ludique. Enfin, franchement, que du bonheur. C'est fini. Mais non, c'est pas fini. On peut continuer. Et oui, parce que ça a aiguisé ma curiosité. Et je répète, c'est fun, donc allez-y. Learn.code.org. Donc là, on passe à un tout petit peu plus sérieux, si je puis dire. Mais on reste sur quelque chose de très soft. Notamment grâce à notre ami Bill Gates qui va, lors des exercices, intervenir pour présenter des notions de base de code. Mark Zuckerberg intervient aussi et en fait ça permet de comprendre d'autres concepts de l'informatique et il nous guide pas à pas. C'est toujours pour les ados de 13 ans, donc prenez sur vous, c'est pas grave. Juste une petite dia pour vous montrer les différentes étapes qui sont... comment dire, incorporé au milieu, enfin, dans lesquelles sont incorporées les explications par Marc ou par Bill. Oui, alors la fermière, je vous l'ai mise. Pourquoi? Parce que je suis absolument fan. C'est un des exercices étape 17, et le principe, c'est qu'il faut l'aider à enlever les tas qui sont dans son champ. Donc pour cela, vous avez toujours notre côté théorie au milieu, avec nos blocs simplifiés de code et l'aspect pratique. Donc on est toujours dans la même logique, hein. Comprendre comment on passe du charabia blanc, en l'occurrence des blocs, à la page HTML ou à n'importe quelle page sur votre PC. 2 choses sont importantes. La première, c'est que vous constatez que le niveau se complique un petit peu quand même, hein. On passe à la notion de compteur, pour vous c'est sûrement évident aussi. Ça n'était pas du tout. J'attire votre attention sur le fait qu'une fois qu'on a terminé l'exercice, on observe ici que finalement,
on peut assembler autant de blocs que l'on veut, donc autant de lignes de code que l'on veut, mais nous avons un objectif à atteindre. C'est-à-dire que sur cet exercice de la fermière, il faut, dans l'idéal, pour être the best, assembler 11 blocs de code pour faire faire l'exercice à la fermière, qui consistait à enlever avec la pelle les tas de terre. Sauf que moi, j'en ai fait 13. Du coup, c'est bon sans être bon. Je ne suis pas optimale, mais j'arrive au résultat. Et là, je vous parle. J'ai compris un truc hyper important. Dans cette salle, vous êtes peut-être deux à utiliser le même langage pour obtenir le même résultat, mais finalement, vous pouvez coder de manière différente. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Enfin, en santé, de manière générale, on part d'un point A à un point C, pour, ou un point Z plutôt, pour synthétiser des molécules. Il n'y a pas non plus 50 000 chemins. Et bien, en code, pas du tout. On peut faire plein de choses. Le but étant toujours d'aller à l'essentiel et au plus simple. Ça fait à peu près 20 heures que je fais du code, comme ça, sur mon temps libre. Et là, je me dis, qu'est-ce que cette petite icône a affiché le code, en haut à droite. Donc ça, on y arrive après. Hein. Une fois qu'on s'est planté avec la fermière, qu'on s'amuse à lui faire plein de trucs bizarres pour voir un peu ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment dans un second temps. Et bien, finalement, nos blocs sont traduits en JavaScript. Donc, tout de suite, on voit que le niveau est aussi un peu plus élevé, mais ça permet de passer tout en douceur de choses très ludiques à des choses un petit peu plus sérieuses. Et surtout, ça répond toujours plus à la curiosité. Juste pour info, je vous spoil la dernière étape, désolé, mais c'est juste pour vous prouver qu'on peut faire plein de choses, notamment avec The Artist, donc toujours notre petit zombie, changer les couleurs, changer les orientations. L'objectif, c'est de faire un arbre, celui qu'on veut. Mais en fait, il y a plein de possibilités, c'est vraiment développé pour stimuler la créativité. Je répète, j'en remets une couche et toujours une couche. Approche nouvelle pour les gens qui ne font pas de programmation, avec vraiment la redécortication des actions. Ensuite, ludique, vous l'avez vu, les couleurs du Angry Bird, la fermière, la vache, le zombie, enfin c'est fun, on se fait plaisir. La créativité avec notre dernière étape de zombie. Et la difficulté croissante, au début on fait juste deux fois avancer, après on passe aux fonctions repeat, aux fonctions if-else, au compteur. Et au final, je pense que la clé de ces exercices réside vraiment, je réinsiste dessus, mais dans le fait que sur un même écran, nous voyons notre action dite théorique, se réaliser en pratique, y compris lorsque l'on fait des erreurs. Donc toujours mes blocs que je déplace et la petite fermière, le Angry Bird, qui se déplacera, même si on se trompe, mais qui fera l'action qu'on lui a demandé de faire. Donc là, vraiment, gros coup de cœur. Sauf que c'est fini. Eh oui, déjà 25 heures que je bosse dessus, mais plus rien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tweet help et on obtient en réponse à notre, enfin, à mon tweet de help, qu'est-ce que je peux faire maintenant? JavaScript. JavaScript via Code Academy. Alors, je vous laisse observer cette image, qui vous parle sans doute plus que les autres images colorées. Finalement, vous êtes content, vous retrouvez le charabia blanc sur le fond noir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on conserve toujours et encore la partie théorique au centre et la partie pratique en haut à droite. Simplement, il faut utiliser des parenthèses, il faut utiliser des points-virgules, il faut utiliser une syntaxe, un vocabulaire. Donc là, comme vous le constatez, il faut s'accrocher un peu plus, avoir plus de temps et vraiment être très motivé, je pense, pour aller au-delà sur cette étape-ci. Deux points particuliers, parce qu'il y en aurait des tonnes, mais on va faire simple. Le concept de length. Alors, j'ai tapé Babette. Pourquoi? Comme ça. Et j'ai obtenu 7. J'ai compris qu'il y avait 7 lettres dans Babette. Donc, jusque-là, c'est bon. Du coup, je me suis dit, je vais taper une phrase pour voir ce que ça donne. Donc, Babette est chouette. Super. Sauf que la longueur, ça fait 20. Pourquoi 20, sachant qu'il y a 18 lettres? Tout simplement parce que les espaces sont des caractères qui sont pris en compte avec cette fonction. Franchement, je ne vois pas la logique. Autant pour un mot, il n'y a pas de souci. En tapant constitutionnellement, on est content, ça va plus vite. Mais pour une phrase, m'en veuillez pas, pour l'instant, c'est pas clair dans ma tête. Et la dernière étape, celle que je préfère. Bon, comment vous dire? Tout un programme. Le substring, argument 3 à 7. Pour vous, c'est encore logique. Pour moi, ça ne l'est pas. Tout d'abord, je vois... Enfin, l'exercice consiste à trouver le substring de 3 à 7. Donc, W, pour moi, c'est la lettre 1. O et N, enfin, ça commence à 1 et ça va de 3 à 7. Donc, le résultat devrait être NDERF. Sauf que, finalement, ce n'est pas le résultat attendu. Pourquoi? Parce qu'on doit trouver DERF. Alors là, je ne comprends absolument plus rien.
Mais en réfléchissant, et grâce, merci David, à mon homme qui est développeur, nous arrivons à deux à raisonner sur le fait que W, c'est le 0, la lettre 0, super. La lettre D est en fait la lettre 3, donc correspond à argument 3 dans le substring. Et le U est le 7, et là on se dit pourquoi pas DERFU ? Et ben voilà la réponse. Le premier argument est inclus, le deuxième argument est exclu. C'est pas du tout évident, honnêtement, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Bon. Pour terminer brièvement, le vocabulaire. Scope, je crois que je comprends toujours pas. Console.log vs return, help! Et le pire, c'est d'avoir arrêté plusieurs semaines parce qu'il y avait d'autres choses. J'ai l'impression de reprendre une langue étrangère parce qu'il faut que je revoie les étapes précédentes, le vocabulaire acquis précédemment. Et finalement, c'est vraiment... Enfin, finalement, apprendre la programmation, ça revient à apprendre une langue étrangère. En plus difficile parce que l'anglais, on en utilise tous les jours, alors que le code, pas du tout. Prochain objectif, arriver à 25% sur Code Academy avec un exercice de pierre, papier, ciseaux que je vais faire toute seule dès que j'aurai, quoi, 3 heures. Mais à faire quand même. Voilà, merci à David pour... tout. Son précieux soutien, notamment pour cette présentation. Question. Visiblement, tu as trouvé ça assez fun. Est-ce que ça t'a changé la manière dont tu apprends l'informatique et, est-ce que tu comprends mieux je sais pas, ce qui se passe ou... Oui, vraiment oui. Parce que quand David a regardé la keynote de Google, j'ai compris quelque chose que je pense que j'aurais jamais compris, c'est-à-dire que juste sur un petit espace, Google essaie de créer des raccourcis de fonctions. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et il y a des choses que je comprends, notamment au Human Talk du mois dernier, que j'aurais pas du tout perçu de la même manière avec quelqu'un qui présentait un jeu sur Ruby. Et finalement, j'ai réussi à faire des connexions que je n'aurais jamais faites si je m'étais pas un peu intéressée. J'ai passé quand même un peu de temps, peut-être une trentaine d'heures pour l'instant. Et oui, vraiment oui. Côté fun, mais on apprend sans s'en rendre compte. Donc vraiment le concept du serious game dans toute sa splendeur. Et je pense que le côté fun permet de progresser en douceur et de pas se, comment dire, de pas se démoraliser ou de se sentir finalement complètement idiot parce que avoir un doctorat et repartir sur des choses pour des enfants de 13 ans sur le coup de dire what quoi. Mais finalement, non, il faut mettre son orgueil de côté pour avancer pas à pas. Donc oui, vraiment. Et je recommande très vivement l'heure de code à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la programmation. Après, ça sera à eux de voir s'ils ont envie de continuer. Et est-ce que en dehors de la curiosité, tu as l'intention de continuer à créer quelque chose avec le code ? C'est une bonne question. Dans le sens où il y a pas mal de start-up en e-santé en ce moment qui sont en train de... Comment dire ? D'arriver sur le marché. Et lorsque je suis allée à un salon santé autonomie, je me suis retrouvée pharmacienne au milieu de plein d'informaticiens, alors qu'à la base, c'était pour le patient. Et je me suis rendu compte que finalement, il y a peut-être des choses à faire. Donc pas dans la minute, là j'ai d'autres projets, mais peut-être un jour. Je pense que ça m'a vraiment ouvert une nouvelle fenêtre dans ma vie, de manière générale, même au quotidien. Après, c'est vraiment une question de temps. Mais peut-être un jour, ouais. Je ne suis pas du tout fermée à cette perspective, au contraire. D'autres questions ? Merci. Merci.